Alors, je dois dire que mon intérêt premier est vraiment celui de l'adaptation cinématographique, et pour le coup de la littérature, donc des textes littéraires, essentiellement autour de Jean Potocki et de Bruno Schulz. Et que pour moi, le détour, il s'agit vraiment d'un détour par la narration graphique qui peut peut-être se nourrir d'une réflexion contemporaine nourrie donc de la bande dessinée, de ces apports-là. Alors donc du constat très banal, de cet état très banal de dyade entre un texte et un film, dérive une manière qu'on a déjà qualifiée ici un petit peu commune de considérer l'adaptation, reposant d'un côté donc sur une polarité entre d'un côté des films dont l'intégralité des processus de production, de réalisation, mais aussi de réception vont pointer plutôt du côté de la source. Donc c'est un petit peu ce que disait Patrick Catrice, hein, il y a le côté source, et puis une approche qui serait plutôt du côté du target, de la cible. Et c'est un petit peu ma perspective, c'est plutôt la deuxième perspective qui est la mienne, même si je vais essayer ici en fait plutôt de me préoccuper de la problématique d'un tiers, donc d'un tiers inclus dans la relation entre un texte et un film. Alors ici c'est un tiers graphique ou pictural, donc c'est peut-être pas la même chose, et qui me permet en fait d'essayer de court-circuiter ou de surplomber l'aspect polarisant de cette vision double de l'adaptation, en la tirant plutôt vers l'idée de chaîne d'adaptation ou de série intermédiaire plutôt que de simple dyade. Alors on rappelle que les dessins, les tableaux, les gravures, bref, les diverses formes d'images fixes vont s'inviter de façon très très diverse dans le continuum filmique, et que ce que je vais aborder aujourd'hui, ça se situe vraiment du côté de l'illustration des textes et comment elles vont migrer vers le cinéma, ce qui est une perspective assez, on va dire, assez unique dans la diversité de possibilités qui sont celles de l'image devenir dans le cinéma, et dont je ne parle pas aujourd'hui. Alors moi, mon point de départ, c'est vraiment la filmographie d'un cinéaste que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Wojciech Rass. Donc la prononciation du prénom, vous pouvez vous entraîner plus tard si vous voulez. Et donc de ses rapports, d'une part avec la littérature, donc qui sont vraiment placés sous le signe de l'adaptation, et de l'autre le dessin, qui relève d'un type de relation beaucoup plus flou et qu'il va convenir de qualifier, car sa présence y est cependant récurrente. Alors Rass est né en 1925 à Cracovie, il est formé à l'Académie des Beaux-Arts, et sa production cinématographique s'étale de 1957, avec son premier film « Le nœud coulant », et à 1988, lorsque son dernier film est diffusé, « Les tribulations de Balthazar Kober », adapté de Frédéric Tristan, qui est sa seule production internationale, puisqu'il s'agit d'un film franco-polonais avec Emmanuel Riva, mais il s'agit du seul vraiment mauvais film de Rass. Et donc, par contre, contrairement à Pierre Chemartin, je ne vous conseille pas du tout d'aller le regarder. Donc, deux films de Rass seulement sont parvenus à modestement traverser les frontières et ils ont une destinée un petit peu chaotique. D'abord, Manuscrit trouvé à Saragosse, réalisé en 1965 et adapté du roman du XVIIIe siècle de Jean Potocki, roman à tiroir. Et puis, le film La Clepsydre. Alors, j'anticipe un petit peu. Qui adaptait donc des récits de Bruno Schulz. Mais ces deux réalisations ne devraient pas éclipser la singularité et la richesse esthétique de la filmographie de Rass dans son ensemble, hein, qui est aussi entre existentialisme et réalisme socialiste dans ses débuts, et qui va développer par la suite une livre de plus en plus proche du surréalisme et du baroque. Alors, il va s'entourer pour sa production cinématographique d'un couple de décorateurs, artistes Lydia et Jacek Kaczyński, qui vont avoir une réelle importance dans sa filmographie et qui vont composer des décors souvent, qui vont tirer vraiment sa filmographie du côté du baroque, avec des décors chargés d'objets hétéroclites. Alors pour le film Manuscrit trouvé à Saragosse, on l'a réellement perçu comme un film littéraire, et c'est bien normal puisque le film adapte un roman donc, que j'ai décrit comme à tiroir, donc qui est décomposé en journée, comme le dit Cameron de Bocas, mais qui va en réalité multiplier les récits des personnages rencontrés. Donc c'est un personnage qui rencontre un personnage qui rencontre un personnage, enfin, qui raconte une histoire, dans l'histoire il y a un personnage qui raconte son histoire, etc. etc. Et parfois ça va jusqu'au niveau 5 de mise en abîme. Donc c'est bien comme ça qu'il a été perçu, hein, comme un film qui, par le montage et par différents effets, va réellement transposer avec brio un dispositif narratif assez complexe. Donc soit dans le positif, la critique de gauche, qui est ici à gauche, et la critique, je dirais pas la critique de droite de Serge Dianey, la critique de Serge Dianey, on est à la fois un petit peu pour le meilleur et pour le pire donc dans le film littéraire, d'accord. Donc la critique de Dianey est à ce titre assez révélatrice.
Alors cependant, dans ce film-là, ce qui est très intéressant, c'est que donc ces décorateurs ont réalisé un certain nombre de dessins qui ont accompagné le film dans sa destinée de manière assez hétérogène et assez importante. En réalité, l'intérêt premier, le choix d'adaptation de ce roman est vraiment venu de l'inspiration de Jerzy Skajeński, qui a commencé à mettre en dessin ce roman. Alors je ne sais pas, j'ai pas de recherche à ce niveau-là, j'ai rien trouvé qui puisse vraiment me guider dans les étapes de réalisation de ces dessins-là. Est-ce que c'était quelque chose, une démarche très très sérieuse également? J'ai vraiment beaucoup de mal à le dire, mais en tout cas, il y a une mise en dessin qui a été faite, donc une espèce d'adaptation première graphique, qui était peut-être sans doute à vocation plutôt illustrative. Mais en tout cas, ces dessins ont inspiré le réalisateur qui ensuite a travaillé avec Skajeński pour composer les décors. Donc ça, c'est un type de relation première entre le texte, le dessin et le film. J'ai pas vraiment le temps de m'attarder sur le manuscrit trouvé à Saragosse parce que c'est surtout ce film-là que je voudrais aborder. Donc La Clepsydre, c'est un film adapté donc, des récits de Bruno Schulz. Donc, on n'est pas sur un roman du XVIIIe siècle, on est sur un écrivain que vous connaissez peut-être, juif polonais, venant d'un village qui s'appelle Drohobycz, qui est à l'époque situé dans l'Empire austro-hongrois, mais qui est une ville polonaise, qui est aujourd'hui située en Ukraine, et dont l'univers tourne autour, donc emprunte pas mal à Kafka, à Grabinski ou à Alfred Kubin, qui vont recourir beaucoup à l'expressionnisme, à des thèmes assez psychanalytiques, et puis une œuvre qui tourne autour de la figure paternelle, une sorte de masochisme qui va travailler de multiples réseaux, et puis une fascination pour la pacotille, la Kaamelott, toute cette modernité-là. Alors, je vais tout de suite... Bon, le film La Clepsydre adapte ces écrits-là, mais je vais tout de suite vous montrer quelques... Je ne peux pas... vous faire cette communication sur La Clepsydre sans vous montrer au moins un tout petit peu des extraits du film. Oups, est-ce qu'on a le temps de faire ça? Peut-être DLC, ce sera mieux. Alors, je vous montre vraiment de manière un petit peu aléatoire des petits bouts de film comme ça, pour que vous puissiez vous rendre compte au moins. Au moins de l'esthétique générale du film. Pan nasz nie powiedział. Ça, c'est la dernière image du film. Allergique au plan séquence, s'abstenir.
Alors, donc, je reviens à ma problématique d'adaptation. Alors, donc la clepsydre a vraiment divisé les critiques à sa sortie. On a surtout accusé Race, en fait, de faire de Bruno Schulz, donc écrivain polonais, juif polonais assimilé, donc c'est-à-dire qu'il ne s'exprime qu'en polonais, et qui dépeint un univers d'une petite ville de Pologne moyenne à cette époque-là, d'en faire un espèce de folklore assidique un peu grotesque. D'accord ? Alors le film a fait l'objet en 2012 d'une restauration numérique réalisée par le chef opérateur de l'époque, donc qui a lui-même retravaillé son propre film, et qui a été vraiment vécu comme un événement, une seconde naissance pour le film, puisqu'il a refait l'objet à nouveau de beaucoup de publications, beaucoup d'intérêt, et il a circulé en Amérique du Nord dans un festival du cinéma polonais organisé, enfin le plus grand à ce jour, organisé par Scorsese. Alors, de quoi s'agit-il avec cette espèce d'accusation de caprice formaliste qu'on a donné à Race ? Alors, en réalité, ce qui est très important de comprendre, et ce qui caractérise beaucoup le travail que je fais sur ce film, c'est que donc Schulz a écrit deux recueils de nouvelles. Ces nouvelles sont plus ou moins autonomes, plus ou moins imbriquées les unes dans les autres. Tout se passe dans le même petit village, avec les mêmes personnages qui reviennent, mais on a quand même des récits qui sont plus ou moins autonomes. Race adapte l'ensemble de cette œuvre-là, donc ces doubles recueils, avec un récit cadre qui est issu du film, qui est issu de ce deuxième recueil de nouvelles, donc Sanatorium pod Klepsydrą, qui porte en fait le même titre original que le titre du film. D'accord ? Donc la Klepsydre correspond totalement à ce titre original, donc ce qui fait le lien. On peut qualifier ce parcours adaptatif d'émulsion, c'est ce que fait la spécialiste française de Wojciech Race, qui s'appelle Anne Guérin-Castel, qui enseigne à Paris 8, donc d'émulsion de différents récits de Schulz. On pourrait comparer à ça la pratique de Robert Altman avec les récits de Raymond Carver dans Shortcuts. Alors cependant, là je voudrais plutôt parler de ce qui me semble être un espèce de chaînon manquant qui va ressurgir dans cette étude de l'adaptation, qui est celle du dessin, qui est celui du dessin. Alors certes, Race va adapter les boutiques de Canel et le Sanatorium au Croque-Mort, donc ces deux recueils de nouvelles de Schulz, mais même si ceux-ci sont publiés tels quels, donc uniquement vous avez chez Gallimard par exemple, ces deux œuvres ne sont pas du tout accompagnées de leurs illustrations, ce sont des œuvres au départ auto-illustrées par l'auteur, par Schulz. Donc que faire de ces illustrations? C'est un petit peu la question générale que je me pose en ce moment. Sont-elles adaptées? Est-ce que tout simplement, comme la première partie du livre de Linda Hutchen le suggère, je me demande « what gets adapted ?» Qu'est-ce qui passe réellement dans le film? Est-ce que Race ignore totalement les illustrations de Schulz, ou au contraire, il les inclut d'une manière plus ou moins consciente? Donc c'est un peu la question générale de ma recherche. J'ai pour l'instant uniquement des pistes à vous proposer. Alors, donc, un petit retour rapide sur la pratique d'illustration de Schulz. Alors, il y a trois volets à peu près de son œuvre graphique. Donc, les auto-illustrations. Donc, surtout, le Sanatorium au Croque-Mort est un recueil qui a été édité, produit, etc., de manière tout à fait simultanée, enfin, plus ou moins, avec les illustrations. Alors, ensuite, on a... une œuvre qui s'appelle Le Livre idolâtre, et que j'ai du mal à qualifier, puisqu'il s'agit d'un cycle de clichés verts qui ont été produits. Alors, il nous manque énormément de choses. L'histoire a fait que beaucoup de choses ont été déplacées, perdues, retrouvées, etc. On n'a pas la chronologie d'exécution, mais on a des lettres qui affirment que Schulz voulait vraiment constituer cette œuvre en œuvre. Donc il y a un certain nombre de dessins et de clichés verts qui ont été faits, qui ont circulé clandestinement. Donc vous pouvez voir ici, et puis c'est les plus soft, mais sinon c'est à ce caractère plutôt érotique. Ce que l'auto-illustration de Schulz va être un petit peu moins sur ce registre-là, mais quand même beaucoup. Alors il a fait passer ces dessins, donc il a fait circuler un petit peu partout, comme une illustration possible de la Vénus à la fourrure de sa chère Mazoch. Mais en réalité, on n'est pas tout à fait sûr. Enfin, il pouvait tout à fait s'agir juste d'une stratégie pour se dédouaner du caractère très, très masochiste de ses œuvres.
Et puis, on a un troisième cycle de son œuvre graphique qui est constitué de portraits des gens de sa ville et d'un cycle, alors que le spécialiste de Schultz, le premier qui vraiment l'a fait connaître après la guerre, qui a passé 40 ans de sa vie à essayer de le sortir de l'ombre et des méandres de l'histoire surtout, Fitzowski, il a appelé ce cycle « Les Juifs ». Et donc, on a une représentation des hassidim, du judaïsme hassidique de la ville, auquel Schultz n'appartient pas, il n'a pas de lien étroit avec cette communauté, mais qu'il va dessiner de manière un peu obsessionnelle dans un cycle. Alors, donc dans ma question, quel est le lien, finalement, entre ces images et puis le film de race ? Évidemment, on essaie d'abord de regarder les illustrations, enfin les auto-illustrations du sanatorium au croque-mort et le film La Clepsydre, puisque diégétiquement, il y a un lien. Suis-je convaincue par la proximité ? Pas tellement. Et cependant, il y a quelques éléments qui pointent, mais on est plutôt dans le domaine réflexif, vers une réappropriation, alors peut-être transmédiale plutôt qu'intermédiale. Et donc je vais peut-être un petit peu expliquer ça. Une obsession de Schultz dans ses dessins, dans son œuvre graphique, et pas du tout dans son œuvre littéraire, qui pourtant les deux se télescopent beaucoup, évidemment, c'est l'obsession de figures comme le fiacre ou la calèche. Donc c'est même quelque chose sur lequel il est revenu. Et cette figure, je vais la retrouver dans le film de race, mais de manière... J'ai vraiment eu du mal à le prendre en photogramme, à en faire un snapshot, de manière extrêmement furtive, avec un angle très particulier, et puis qui empêche un petit peu de le capturer ou de le distinguer. Pourtant, il est là. On le voit à un moment donné. Donc ça, c'est une première idée. On a la figure, ou le motif, du lit. Donc dans le sanatorium au croque-mort, c'est l'histoire d'une réactivation à l'infini, parce que c'est un sanatorium aux lois temporelles manipulées. Donc on a un docteur, un savant fou, qui a réussi à faire en sorte que la mort n'arrive pas jusqu'au pensionnaire malade. Et donc ça, c'est le père du narrateur alter ego de Bruno Schultz, qui vient voir son père malade qui se repose. Et le film de race va véritablement pulluler en représentation de lit, mais à chaque fois, je pense que vous avez pu voir un petit peu dans la vidéo aussi, on voit un lit qui est sur une place publique, enfin sur la place du marché, qui est un des lieux récurrents du film. Alors, au passage, il faut mentionner que vis-à-vis du texte, donc cette fois dans vraiment la pratique de race d'adapter les textes de Schultz, il fait la même chose pour toutes ses adaptations, notamment pour le manuscrit trouvé à Saragosse. Les films de race emploient très souvent une stratégie très personnelle qui est celle de la surfidélité au dialogue. Donc, c'est-à-dire que les dialogues vont vraiment être à la ligne près ceux du texte, qu'ils soient traduits du français ou bien dans la langue originale, mais toujours prononcés avec une espèce de grand décalage parce que le contexte n'est pas du tout le même, par exemple. Donc il va beaucoup, beaucoup déplacer aussi des dialogues, prendre des dialogues qui sont dits à tel moment, puis les mettre dans une autre scène, une autre séquence. Donc c'est évidemment ce que je me suis demandé par rapport à ces figures-là. Est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement de la même stratégie ? Alors, je passe rapidement sur la proximité du livre idolâtre avec les narrations graphiques qui peuvent se développer dans les années 20, les années 30. Donc, là, ici, surtout dans la Mitteleuropa, donc en Allemagne, en Autriche, et en République tchèque, en Pologne. En fait, donc, je vais tout de suite aborder ma conclusion, hein, finalement. J'essaie de voir... dans quelle mesure on peut dire que le livre idolâtre, plus que les illustrations, les auto-illustrations de Schultz, nous permettent finalement de voir vraiment à quel point un détour peut s'opérer dans la relation du texte au film. Beaucoup plus donc que les illustrations même, donc qui feraient partie intégrante d'un espèce d'univers diégétique, on pourrait dire une histoire-monde, c'est un peu ce que je retiens du dernier livre de Marie-Laure Ryan, qui parle de ces systèmes narratifs très... Elle parle évidemment plutôt des franchises, mais on peut parler de ces objets-là aussi. Le livre idolâtre, donc avec sa façon de représenter une narration un peu contrariée, puisque finalement, il s'agit d'un proto-roman graphique, mais sans réelle valeur narrative, ou en tout cas valeur narrative un petit peu trouée ou assez floue, peut nous permettre de penser la forme filmique de l'adaptation telle que race l'a pratiquée. Et peut-être que je vais
aller directement à la dernière. Alors, il y a une image qui s'est invitée ici, qui n'a rien à faire là. Toute dernière image du film, une des dernières images du film, qu'on ne voit pas très bien, donc je m'en excuse. C'est une table qui est filmée, encore une fois, dans un plan séquence, dans une latéralité à l'infini, et qui renvoie finalement un petit peu à ce cycle-là. Donc voilà, c'est là où je m'arrêterai. Je pense que l'adaptation peut se lire aussi un petit peu comme cette figure de table, alors que filmer, adapter des récits auto-illustrés nous condamnerait peut-être plutôt à l'adaptation tableau, au film tableau, donc à valeur narrative un petit peu déceptive, et c'est aussi un des reproches qui a été fait au film. Le fait de privilégier la forme de la table plutôt que du tableau, c'est finalement c'est bien l'assemblage que ça nous donne entre film, texte et illustrations diverses. Voilà, donc d'envisager plutôt l'adaptation comme cette espèce d'horizontalité à l'infini où les points ne sont pas très déterminés, puisque nous-mêmes, nous manquons de matériel pour déterminer qu'est-ce qui est adapté ou non. Voilà, je m'arrêterai là, merci.